Fait que à soir, on va faire du barbecue sur le poêle à bois. Fait que j'ai vu une chaîne YouTube faire ça, puis je vais essayer de faire la même affaire. Puis en passant, la chaîne YouTube, c'est la chaîne de Prêt pour la route. Fait que j'ai acheté les épices Québec, barbecue Québec. Fait que poulet, j'ai l'épice Kansas. Pour mon steak, j'ai pris l'épice Montréal. Et pour de la saucisse de porc, j'ai pris la steak natar, quelque chose comme ça. Fait que ça a l'air que c'est ça que ça prend pour ça. Fait qu'on va faire que ça sur la grille, dans le poêle à bois, sur la braise. Que je vous montre ça plus tard. Fait que je commence par faire les saucisses dans le poêle à bois. Barbecue maison. Ça va être vraiment bon. Parfaite. Il reste à voir le poulet. Ça boucane un peu dans la maison, mais c'est pas trop. C'est maintenant le temps des steaks. À date, le poulet, excellent. Saucisse, excellente. Il reste les steaks. Puis dans le fond, on le voit pas, mais les patates. Puis on va voir que ça a l'air dans pas très long. Fait que voici le produit fini. La seule affaire qu'on a manqué notre coup, c'est les patates. Ils sont durs comme de la roche. Mais bon, c'est un essai. On a fait des légumes. Tout dans le poêle à bois. Poulet, steak. Avec ça, ben, on a deux sauces de barbecue Québec. Citron sucré et douce nuit Mamacita. Et toujours du bon vin. Que bon appétit!